point de départ de ce livre, c'est de mobiliser des chercheurs de terrain pour expliciter un certain nombre de clichés, essayer de comprendre pourquoi des stéréotypes sont livrés sur le continent subsaharien. Et donc de donner au grand public l'occasion de déconstruire un certain nombre d'idées du style la corruption est un fait africain, les migrants sont toujours pauvres, tous les Africains sont polygames, ou aussi des sujets plus portés sur le développement, sur l'ethnicité, sur la question de la modernité qui a de la difficulté à se mettre en place en Afrique, sur le secteur informel, sur le rôle des femmes sous-estimées ou sur les enfants des rues. Il y a 5 parties qui recouvrent un peu l'image que l'Afrique donne d'elle-même ou l'image qu'on a inventée de l'Afrique. La première, c'est sur les richesses africaines. La deuxième, sur le passé, sur l'histoire. La troisième, sur le comportement des Africains, les idées reçues qui frôlent parfois le racisme. Ensuite, sur l'agriculture et les villes. Les options autour de ces 2 sujets. La dernière partie, qui est vraiment nouvelle, sur les lions, sur la ligne de départ, sur la question de l'émergence de l'Afrique, comme on l'a dit souvent.